Yahweh, lelo mokano no ekoki sami. Liboso na volonté nona na kote le manani. Moto yaki, abotamaki suka na wakozonga mabele. Kolo, nakati na biso ezalisi esengo. Pete mama na biso, awei nakati na kolo. Nakati na liloba na Yahweh. Yoka mawa, yoka mawa, o Yahweh. Pasi pe mawa etoni na motema Moiki toko pe sango enani Mawa mingi na motema Misara na yetato lami na bato Momo Ho 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 Mama I love you Mama ninakupenda sana Mama Life is world change without you Can't explain all about you Looking back at the young days Wasted to your arm, I'm missing you Mama was the only rest And none got us to miss loving My mama, what I have to my mind Can't be explained what I can't have it to my tongue My tongue getting bigger every day Cause I'm still missing everything you're missing Sango ikweyi Namatoyi Epasori motema Mpona mbemo Osari akimia Mama Nzoka mama Osari mosara monene Kosakura sango nekurusu Kusame futaka Mama, ok, dame que sigo, hey Mama, ok, dame que quimio
mamana sinagoga, mamana siona kende. Moli mona yo epe mana kimia. Et de voir comment est-ce que nous pouvons, pour le peu de temps qui nous reste, encore conduire notre vie. En cela, nous sommes réellement en deuil, mais nous ne sommes pas endeuillés comme le font les gens du monde. Et nous, dans toutes circonstances, nous mettons en premier lieu notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons enseigner la parole de Dieu. Le Seigneur demande à ce que tout à chacun vous puissiez prêter oreille afin que ce message vous parvienne, vous puissiez la mettre en pratique tous les jours de vos vies. Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui était et qui vient. Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui était et qui vient. Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui était et qui vient. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, toi l'ennemi Satan, tu n'as pas autorité pour te dresser devant la parole de Dieu qui va être annoncée devant l'Assemblée. Toi l'ennemi Satan, avec les sept ministres, je t'ordonne, sors! Nous sommes l'œuvre de Dieu
et c'est par le souffle de Dieu que nous sommes vivants. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur est venu interpeller un frère, interpeller Jésus. Tu peux les soigner, tu peux faire tout ce qui te semble bon de faire, mais sache qu'un jour, tu es amené à disparaître. Alors, comme tu es amené à disparaître, il est bon pour toi que tu puisses mener le bon combat pour que le dernier jour, tu puisses aller au lieu où il est réservé. Un autre corps, mais ce corps sera un corps qui est construit dans les lieux célestes. Et ce corps-là n'est pas fait des mains d'homme. Comme pour dire que, ici sur cette terre, nous vivons par la chair, même si l'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. Amen, bien-aimés, nous avons ici deux cas de figure où beaucoup de personnes ont oublié l'importance de se confier à Dieu, l'importance de marcher à ses côtés, l'importance de lui être reconnaissant. Beaucoup aujourd'hui conduisent leur propre vie par leur propre intelligence, par leurs propres moyens. Et ils se disent, là où nous sommes arrivés, le travail que j'ai, ce que je possède, je le possède par mon intelligence, je le possède par ma sagesse, je le possède par mes biens. Amen. Dieu n'a pas de problème. Ne croyez pas que ce sont les riches qui vont en enfer. Ne croyez pas que ce sont les pauvres. Au contraire, Dieu veut que l'être humain, la personne qui vit sous cette terre, puisse jouir de ses biens, mais dans sa présence. Amen. Parce que la personne qui jouit de ses biens dans sa présence est une personne qui a une sagesse par laquelle il sait que un jour tout ce qu'il possède finira par partir. Tout ce qu'il a finira par lui échapper et il n'emportera rien avec lui. Bien, où ta pauvreté ne peut t'épargner. Amen. C'est le jour de ta mort. Amen. Car le jour de ta mort, nous ne ferons pas de différence entre toi qui es millionnaire, entre toi qui es pauvre. Mais il y aura deux chemins qui sont amenés à se séparer. Amen. Voilà pourquoi toi qui écoutes ce conseil aujourd'hui, tu es une personne avertie. Dieu te demande de te détourner de la distraction telle que le monde nous distrait aujourd'hui, telle que les besoins charnels nous amènent à nous éloigner de notre Créateur, nous amènent à nous éloigner de ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire d'hériter du royaume des cieux. Alors avant d'hériter du royaume des cieux, nous avons une mission à accomplir sur cette terre. La Bible dit que nous sommes tous passagers. Tout ce que tu feras passera. Les biens que tu as passeront et les choses vont périr. Amen. Mais sache que un jour tu pourras tomber malade. Un jour ta beauté fanera. Un jour les hommes qui t'ont suivi vont finir par te délaisser. Amen. Toi qui es jeune, la Bible nous dit dans Ecclésiaste, le chapitre 11, au verset 9, toi jeune homme, jeune Jean, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais ce qui te plaît, mais sache qu'un jour tu seras appelé à être jugé. Amen. Dieu laisse le libre arbitre à toute personne. Dieu te conseillera, Dieu te montrera deux chemins entre le bien et le mal, à toi de prendre la bonne décision. Pour qu'il ne t'arrive pas la même chose, aujourd'hui prends une décision radicale. Une décision radicale, c'est-à-dire que de confier ta vie en Jésus-Christ. La Bible dit que dans Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que le Père l'a assis entre les morts, tu seras sauvé. Il n'y a pas d'autre moyen d'accéder au royaume, d'accéder au paradis, si tu ne confies pas ta vie en Jésus-Christ. Car celui seul qui a le monopole, celui seul qui tient la clé pour pouvoir te conduire là où tu as besoin d'aller, là où tu as besoin de vivre dans sa félicité,
là où tu as besoin d'être dans son éternité. Et aujourd'hui, beaucoup de gens s'égarent de la volonté de Dieu. Dieu veut que toi, en tant que chrétien, que tu puisses mener le bon combat. Amen. Si tu te comportes comme il faut, si tu marches dans la présence de Dieu, le sort qui t'est réservé est d'aller dans le royaume des cieux. Amen. Mais si tu ne marches contrairement à la parole de Dieu, contrairement à sa volonté, le sort qui t'est réservé, c'est le lieu de tourment. Amen. Et je pense que ici, personne ne souhaite aller dans le lieu de tourment. Mais pour aller dans le lieu du paradis, il faut que tu puisses marcher selon la volonté de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen, ma Sainte. Amen, ma Yahya Béné. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dire à tout à chacun aujourd'hui qu'il t'appartient de prendre la bonne décision, qu'il t'appartient d'orienter ton futur, qu'il t'appartient d'assurer ton avenir, comme vous assurez vos biens, de manière à ce que vous puissiez être bénéficiaire demain. De même aussi, nous sur cette terre, comme ce corps finira par mourir, finira à repartir poussière, retournera à la terre. Mais notre âme, si Dieu nous recueille, sera acceptée dans le royaume des cieux. Et je pense que telle est la volonté de tout à chacun, telle est la destinée pour laquelle nous sommes appelés, car Dieu a envoyé son Fils afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais que nous ayons la vie éternelle. Précieux pour le chrétien, précieux pour la personne qui a suivi Jésus toute sa vie, qu'elle en ait le sens d'amasser tous les trésors, toutes les choses de ce monde pour perdre sa vie. Amen. Car là-bas, dans le royaume des cieux, nous n'aurons plus les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Là-bas, nous serons dans la joie. Là-bas, nous chanterons. Solo, solo, Bokananga, Ezalina Lola, Kunamawa, Ezalite, Kaka Esengo, Kunana Lola. Amen. Amen. Même si le prédicateur ne chante pas bien, amen. Mais c'est la vérité ou pas? Amen. Bokananga, Ezawapi, Ezengo, Ezawapi. Est-ce que Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse prendre la décision qui leur est propice afin de pouvoir un jour, Seigneur Jésus-Christ, vivre dans ta félicité. Laissons le reste de la semaine des saintes mains, que ton esprit nous guide aujourd'hui pour l'éternité. Amen. Yeah.
Oh,
Thank you.
Oh,
Oh,
déjà demain à partir de 15h pour la projection de l'enterrement depuis le cimetière d'Exéqué, l'université à Mongafoula. Il est demandé à tous les serviteurs et servantes de Dieu de venir vêtus de leur uniforme. Oh,
mama. Moi, non, prophète Makanda.